Bonjour tout le monde, je suis Grégoire de la chaîne Greg's Whisky Guide et du site internet gregswhiskyguide.com. Sur ce dernier, il est en train de changer pour s'adapter au format smartphone, etc. Il y a des soucis techniques, donc je ne peux plus rajouter de nouveaux articles pour le moment. J'ai mis un avertissement en français, en anglais, bref, ne vous inquiétez pas, ça va repartir, mais pas forcément tout de suite. Et comme il y a eu des soucis auparavant aussi, malgré l'énorme base de données que c'est, les gens ne se rendent pas toujours compte. J'ai des cavistes, j'ai des particuliers, j'ai des professionnels qui régulièrement me disent combien voilà, ils apprécient le site. Et malgré son incomplétude, si j'ose dire, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Pour ce qui est de choses plus récentes, bien sûr, c'est plutôt sur la chaîne YouTube, ici. En anglais ou en français. J'essaye de rééquilibrer vers le français de plus en plus, mais ce n'est pas facile. Surtout faire deux vidéos par semaine pour moi, c'est pas facile. Ça met des heures et des heures à télécharger. Et il y a beaucoup de travail en amont aussi, en tout cas pour certaines. De toute façon, il y a un peu de travail en amont. C'est pas seulement déguster. Voilà. Moi, je fais pas le même travail que nombre de youtubeurs. Désolé de le redire encore, j'essaye d'explorer un peu plus en profondeur les choses quand c'est possible voilà, de mettre en perspective. Voilà, ceci étant dit, je ne vais pas être long sur la présentation de la distillerie puisque j'ai consacré déjà deux vidéos à la distillerie des menhirs dont on parle aujourd'hui. Je vous montre un peu, là c'est l'un des chais de la distillerie. Oups, c'est une plaquette d'information de la distillerie, mais ça m'est utile pour d'abord montrer les changements de conditionnement, la nouvelle bouteille qui est beaucoup plus trapue et plus courte que celle que j'ai moi, par exemple, d'une autre version qui était plus longue. Un peu le même genre de, je pense que c'est quasiment la même verrique pour Compass Box, hein, donc c'est 34 cm environ, c'est... Ça ne va pas sur toutes les étagères. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont changé, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc distillerie bretonne située à Plomelin, près de Quimper, dans le Finistère, à 10 minutes de la mer. Distillerie fondée en 1921 par Francis Lelay, c'est une distillerie familiale. Voilà, produisait des pommeaux, des lambics, des eaux de vie de cidre. On produit toujours d'ailleurs. 99, le premier whisky de blé noir, Edu, ça signifie blé noir en breton, et 2002, l'Edu Silver, qu'on va déguster aujourd'hui, est né, et ensuite le Grey Rock, ensuite le Gold, et d'autres. Voilà, donc la dernière fois, je vais mettre des liens vidéo, j'ai fait deux autres vidéos, une vidéo sur cette version, qui est l'édition Nolwenn Corbell, pas confondre avec un certain film qui est un affinage en fût tourbé. Donc j'ai chroniqué une première fois pour mes premières impressions une vidéo consacrée uniquement à cette version et une deuxième fois lors du survol précédent, si j'ose dire, donc la vidéo de la semaine dernière où j'ai dégusté quatre whisky qui sont là, mais je vais pas en reparler. Je vous mets les liens vers les deux vidéos précédentes en commentaire, en description, pardon, de la vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais vraiment me consacrer à la dégustation proprement dit et beaucoup moins sur tout ce qui est périphérique parce que nous avons cinq whisky à déguster, donc c'est quand même pas mal. Et alors, je parlais de blé noir, mais de temps en temps, la distillerie des menhirs expérimente, et c'est d'ailleurs cette version que nous allons déguster, que j'avais déjà dégusté en salon lors de sa sortie. Alors, on va vous dire de bêtises, il me semble que c'était en 2016, mais je ne suis pas sûr, ou 2018. Je vais voir si sur la fiche, waouh! De dégustation, j'ai les infos. Et donc l'échantillon, il est ici. Voilà. Alors, Ed Gwen, c'est un, si on voulait parler, alors c'est un whisky tout court pour la législation française. Mais si on voulait parler de comparer des choses au whisky écossais,
Je pense qu'on pourrait parler de single grain. Pourquoi? Parce qu'il est à base uniquement d'orge, mais d'orge non maltée. Voilà. Donc l'Edgewen donc est un whisky vieilli 4 ans dans des fûts de chêne américains et fûts de chêne français. Assemblage des deux. Voilà, version lancée en 2015, mais je pense que j'ai dû la tester en 2016. Elle est embouteillée à 45% d'alcool et coûte dans les 59 euros prix de vente conseillé. Quand je pourrai, si j'oublie pas, je vous donnerai les prix, prix de vente conseillé en tout cas. Voilà, donc je reviens pas sur les questions déontologiques, j'y suis venu largement la dernière fois et à d'autres occasions. Il y a même une vidéo entière en anglais cette fois consacrée à ça. Oui, il s'agit d'envois que moi je qualifie d'envois presse, puisque je suis apparenté à la presse. J'ai commencé bien avant de faire ma chaîne YouTube avec mon site web. J'ai participé à des sélections d'assemblage pour en sélection presse et non pas professionnelle pour choisir des versions de whisky prestigieux. En tout cas de distilleries connues. J'ai aussi fait des concours d'assemblage, je suis passionné d'assemblage. Je vous reparlerai, je vous en ai déjà parlé, de ma casquette pro qui est en train de devenir solide, si j'ose dire. Et là, bien sûr, je mettrai un avertissement quand je vous présenterai ma création très prochainement. Un avertissement dès le début et aussi en bandeau pour dire attention. Promotion, ça sera plus compliqué que ça, mais parce que c'est un cas particulier, mais en tout cas, ça sera classifié dans les promotions obligatoirement pour des raisons déontologiques de toute façon. Là, c'est autre chose, c'est le travail habituel de revue d'après bouteille et échantillon qui soit donné par des particuliers, des professionnels. Pour moi, ça ne change rien, je donne mon avis. Après, libre à chacun, voilà, de penser qu'il est biaisé ou pas, qu'il est. Quoi qu'il en soit, Edgewen whisky d'orge. Gwen, ça veut dire céréales blanches. Alors c'est un whisky que j'ai déjà goûté donc sur un lot de 2015. Je l'ai déjà dégusté pour vous donc le 16, ça vous savez tout, le 16 septembre. Et là, je le redéguste pour confirmer ou pas mes notes. Et donc, ça vous permettra d'avoir une opinion un peu plus précise. J'étais obligé de redéguster tout avant pour gagner un peu de temps, avoir moins de surprises. Et donc, alors je ne fais pas de montage sur cette chaîne, mais je ferai des pauses dans la vidéo pour raisons pratiques et pour gagner du temps le cas échéant. Donc, voilà l'Edgewen. Alors évidemment, plus la bouteille est large, c'est un classique dans les whiskies, plus la couleur sera foncée. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai essayé de. J'aurais dû y penser avant. Et puis elle n'est pas blanche la feuille, mais bon, c'est pas grave. Et puis ma caméra en plus a tendance à changer les couleurs. Donc on est quasiment dans la transparence, on est très clair. C'est pas new make puisque c'est pas transparent, mais c'est pas loin, c'est un 4 ans. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a aucune coloration, là c'est clair, artificiel. Voilà, on a un nez très jeune, un nez exubérant, un peu bonbon, bonbon anglais, bonbon acidulé, bonbon fruits exotiques parce que les esters sont en avant, il n'y a qu'eux qui parlent, le fût ne parle pas à ce stade-là ou quasiment pas. Et aussi, c'est de l'orge maltée, donc non maltée, pardon. Donc c'est très céréalier, c'est très petit déjeuner. Donc moi j'ai noté céréales brutes, pointe de fruits exotiques, bananes flambées, abricots, pêches. Oui, note pâtissière, de poire aussi, poire ananas. Donc un nez très plaisant, c'est vraiment très agréable, très jeune et bien sûr on ne peut pas le comparer à des whiskies à base d'orge maltais écossais, quoi. Les jeunes distilleries par exemple qui sortent leur premier whisky, ça ne sera pas forcément ce profil-là. Voilà, on va passer au palais.
Donc là aussi, c'est très jeune, on n'est pas très loin du. Alors, New Make en français, parfois on dit blanche de malt. Là, c'est pas du malt, mais. Donc, c'est le distillat pur, tel qu'il sort de l'alambic. C'est après le passage en fût, et même en France, c'est 3 ans pour être appelé whisky, qu'on peut l'appeler whisky, et qui commence très légèrement ici, à peine à prendre les couleurs du fût. Après, bien sûr, ça dépend du traitement appliqué au fût. Encore une fois, on peut donner une couleur foncée à un whisky très jeune si un traitement très brutal, très intense de toastage et de brûlage est appliqué au fût. Il faudra que je fasse quelque chose sur la couleur d'ailleurs des whiskies à un moment donné. Voilà, donc on est vraiment sur ce côté très agréable, jeune mais très agréable. Je pense que pour l'instant je maintiens ma note. On va voir la réaction avec quelques gouttes d'eau. Voilà, pas plus. 45, c'est un bon titrage pour quelque chose comme ça. 40, ça aurait été dommage. Là, ça réveille la jeunesse, effectivement, ces esters très présents. Je vais rien toucher, je vais maintenir cette note de 86. Je fais un très bref rappel du barème. Donc, 80 à 86,5 dans mon barème, alors qui est disponible sur le. Voilà, la lumière qu'il y a aujourd'hui, c'est pas facile. 80 à 86,5 honnête pour débuter ou non ou de qualité, achat envisageable, entre parenthèses. Bon, honorable, plutôt équilibré, avec déjà des qualités qui pourraient être plus développées. Voilà, j'ai 8 échelons de notation, sachant que la moyenne pour moi est plutôt à 75 qu'à 50. C'est un choix. Voilà, j'y reviendrai plus tard. Donc, voilà pour les Dguen. À tout de suite. Alors, me revoilà, merci d'avoir patienté. Voici cette fois le Silver. Donc, c'est une version. Comme je dis, qui date de 2002. Là, on parle de 5 ans en fût de chêne français du Limousin, puis un affinage. Non, je raconte des bêtises, excusez-moi. Je suis pas sur la bonne ligne. Donc, 5 ans en fût de chêne français du Limousin ayant contenu du cognac. Voilà. Et j'arrive pas à me relire. Pas dire de bêtises. Donc, lancé en 2002. À l'époque, premier whisky de blé noir au monde. Là, on parle de 44, mais j'ai vu souvent un prix supérieur à ça. Et là, le titrage est de 43% d'alcool. On a une robe un peu plus foncée, mais on reste dans du vin blanc. Peut-être un peu plus dense, ceci dit. Donc. Ouais, on n'est pas dans le Chardonnay, on est peut-être un Bourgogne blanc ou Loire, je ne sais pas. Alors là, on change de braquet, si j'ose dire, donc on revient au blé noir. À partir de maintenant, il n'y aura plus que du blé noir dans la dégustation d'aujourd'hui. Donc on a un premier nez qui est très typé par rapport au blé noir, moins dans la séduction, plus austère. Il y a un côté végétal, floral, un côté presque. Alors j'ai du mal à le décrire. Un peu, ouais, de plantes. Alors moi je ne suis pas d'accord avec ce que je lis ici, agrumes, noisettes grillées, roses bruyères, je n'ai pas ça. Bon, les notes c'est toujours personnel, faut le savoir. Voilà, j'ai quelque chose de végétal, de qui suggère l'amertume. Pas de verveine, mais c'est pas loin. Donc quelque chose d'un peu plus austère, donc moins plaisant au nez, très clairement. Alors, en bouche, Kirmat, si je ne me trompe pas, excusez-moi pour la prononciation, chers amis bretons. Alors, en bouche, c'est plus agréable qu'au nez.
La semaine dernière, j'ai chroniqué le Silver Brocéliande, qui maintenant se nomme Brocéliande. Alors c'est un peu ambigu tout ça parce qu'on s'y perd avec les versions des fois, parce qu'il y a aussi les versions blended, les Grey Rock. Mais donc voilà, j'aurais dû faire les deux côte à côte, mais c'était pas évident. Je voulais une progression plus classique de la gamme. Il a fallu faire des choix, voilà. Mais voilà, en bouche, il y a un côté vanillé. J'ai noté blanc manger, orange, abricot, pêche. Mais atténué, c'est vraiment un fruité qui est un peu contenu, qui n'est pas exubérant, qui n'est pas super expressif, c'est un peu dommage. Est-ce que je maintiens, pardon, cette note? Oui, il y a quand même un... Je vais augmenter pour l'équilibre et la finesse. Donc 0,75 de plus pour l'instant. Vous voyez un peu en direct dans ces séries-là, j'ai décidé finalement d'évaluer les choses un peu plus en direct, une partie en amont pour quand même avoir une première impression qui prend plus de temps et une confirmation ou information pardon, en direct. Oui, il y a une amélioration. Bon, on peut... Donc voilà, moi j'arrive à 83,5. Donc nous sommes dans la limite, dans le niveau 4 précédent. Donc honnête, mais voilà, pas transcendant non plus. Mais c'est un bon whisky. Alors là, on était dans du 5 ans d'âge. On va passer momentanément et revenir sur quelque chose de plus jeune, mais à plus fort titrage pour finir. C'est pas facile, hein, là, je vous cache pas, la succession des whiskies à déguster, c'est une question très délicate, il faut bien réfléchir. Il n'y a pas que le titrage qui rentre en titrage alcoolique qui rentre en considération, il y a aussi le profil aromatique, supposé ou avéré, c'est-à-dire s'il y a un affinage important. S'il y a quelque chose de très âgé, il vaut mieux le faire passer avant que quelque chose de très jeune et de très fort en voltage, si j'ose dire. Donc, alors là, on va passer à ma bouteille, donc qui a changé de look. Alors maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Donc plus trapu. Mais... Je vais quand même, parce que vous en trouvez toujours dans le commerce, vous afficher ma bouteille qui est bien lourde. Bon, c'est une bouteille que j'ai primée, que vous retrouverez aussi dans mes whisky de l'année 2020, en version anglaise. Donc je vous donnerai sa note après pour pas. Bon, là on est dans le vieil or, un reflet presque ambré, légèrement orangé. Donc là on est. Pourquoi? Alors, comme je le disais, évidemment, il peut y avoir plusieurs raisons, notamment de traitement de fût, mais là, ça n'est pas la question. J'arrive à faire tenir ça, ça serait bien. Là, et vous voyez, donc vous voyez peut-être pas, les jambes ou l'arme, elles tiennent davantage sur les parois du verre. C'est un bon indicateur pour savoir si le whisky est relativement âgé, son titrage alcoolique. Et c'est aussi un indicateur de la filtration à froid ou pas. Là, il y a filtration à froid. Alors, je crois qu'il n'y a pas de coloration, mais il n'y a rien qui indique ça nulle part. En revanche, voilà, ça ne doit pas être filtré de manière agressive, puisqu'il reste quand même pas mal de corps gras. Et l'âge, donc. Il est indiqué sur le site comme étant minimum 10 ans, mais j'ai cru comprendre que certains fûts pouvaient être âgés de 15 ans ou plus dans cet assemblage. Donc là, je vérifie sur la plaquette. Donc on parle de vieillissement en fût de chêne français du Limousin. Et effectivement, alors donc ils disent il a sa place parmi les whiskies de 15-18 ans d'âge.
Il est à 43% d'alcool, je ne l'ai pas dit. Alors, on va. Alors, pour ceci, j'ai fait, comme c'est ma bouteille, j'ai fait une fiche individuelle. Voilà, je ne vous lirai pas entièrement parce que c'est fastidieux. Mais je m'aiderai pour aller un peu plus vite de mes notes. Donc, pour moi, il y a quelque chose de plus confit au niveau du fruité. Il y a un côté presque cire aussi. Alors, on n'est pas chez Kleinlich non plus, hein, mais quelque chose d'un peu noble dans le. La manière dont le fruit, le floral et les notes boisées viennent ensemble au nez. Moi j'ai noté, alors au début, la bouteille évolue, au début elle était exubérante sur les pommes cuites avec un côté presque pommeau. Le côté floral, mielé évidemment, il y avait une note d'hydromel très prononcée, elle disparaît un petit peu. Au niveau des pommes, j'avais parlé de pommes golden et pommes rouges, et des pommes assez mûres, même parfois des pommes à cidre, mais de manière minoritaire. Un côté végétal, moi j'avais parlé de tilleul et de tisane un peu avec différentes plantes, dont la verveine, mais aussi d'autres plantes. Alors, dans leurs notes, ils parlent de fleurs séchées, cannelle, curry, je ne l'ai pas, noix de muscade au nez. Alors, le nez, donc, va très bien noter. De toute façon, c'est un whisky primé pour moi déjà. Alors je reviens. Voilà, il ne cesse de s'ouvrir avec un côté mielé, floral, végétal, boisé, fruité. C'est un whisky extrêmement complexe. Et c'est ce qui fait un de ses intérêts. Yermat, santé à vous tous. Voilà, cette même harmonie, vous l'avez en bouche. C'est vraiment un whisky très bien fait, très bien assemblé. Bon, le titrage, dommage, 43, moi j'aurais bien vu 46. Mais il est quand même, c'est quand même pas mal. Oui, j'avais mis quelques esters perdures, des notes qui rappellent le blé de pomme à Calvados. Donc oui, un petit peu plus. Cannelle muscade, voilà, j'avais trouvé quand même. Et j'avais trouvé donc un palais en décrescendo qui perd un peu de sa puissance en cours de route. Mais il y a quand même une petite persistance semi-épicée, semi-fruitée qui reste très complexe. Il y a de la mâche. C'est un beau whisky au niveau texture. J'en parle pas assez de la texture, c'est vrai. Donc je vais l'ouvrir un petit peu, quelques gouttes d'eau, pas plus. Comme d'habitude, je recommande de boire de l'eau, alors minérale ou comme ici filtrée, en carafe, au charbon. Avant, pendant, après, entre chaque whisky, etc. Ça permet vraiment d'aider à l'absorption de l'alcool. Aussi se refaire un petit peu le palais entre chaque. Et aussi ouvrir un peu les arômes. Donc là, j'ai des notes florales. Là, j'ai une touche de rose. Un côté exotique, papa et litchi peut-être, que j'ai pas eu les premières fois. Intéressant, ça rend les choses encore plus. Alors, je sais pas si je change la note, c'est pas évident. C'est vraiment très agréable. Pense que je vais rester sur cette note. Donc effectivement, oui, j'aurais aimé que ça dure un peu plus en bouche, mais c'est un très joli whisky et je lui mets la note de 90 sur 100. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un de mes whiskies de l'année 2020. Une bouteille, je crois, de 2019 ou 2020. Je pensais qu'elle était plus ancienne, mais non.
Je dis bêtises dans la version précédente. voilà, donc très joli fleuron. Et je vous dirai à la fin les whisky que moi je retiendrai pour ce survol de toute la gamme, quoi, en fait, hormis quelques exceptions et, pour des boutiques ou des choses comme ça. Alors là, nous allons passer à une version un peu de luxe qui est vendue dans les 225 euros prix public conseillé. 200 euros, 225 par certaines boutiques spécialisées, je ne citerai pas, qui se sucrent bien au passage. Donc, je vous montre l'échantillon, je vous montrerai la bouteille après sur le petit livret. Donc là, il s'agit de lait du diamant, qui est un 15 ans d'âge. Je vais vous montrer donc la plaquette. Donc c'est une édition limitée, là par exemple sur cette plaquette, je ne sais pas si elle est contractuelle, mais je pense que c'est probable. On nous parle de 420 flacons, donc 420 bouteilles de type carafe. Voilà à quoi ça ressemble, si ça veut bien tenir. Donc là on est sur une robe vieil or, hein. Pas forcément beaucoup plus foncée que d'ailleurs le gold. Hein. Je ne vous cache pas. Mais encore une fois, la couleur, c'est tout à fait relatif pour le décider de la qualité d'un whisky. Ça peut en dire long. J'y reviendrai dans une vidéo. Ça mérite d'ailleurs peut-être que je fasse une vidéo en français et en anglais, je pense. Parce que c'est pas le même vocabulaire aussi au niveau des couleurs. Je serais beaucoup plus à l'aise en français. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? 44% d'alcool, c'est le titrage pour cette version. Donc c'est, on va dire, c'est plutôt bien, c'est optimal. Excusez-moi. Voilà. Il y avait une coupure d'ailleurs à la fin de la vidéo précédente. Je sais plus laquelle. C'était en anglais ou en français, donc je m'en excuse à nouveau. C'est possible une mauvaise manipulation de ma part entre la pause et la fin de la vidéo. Donc voilà, je laisse celui-ci, ça fait une bonne demi-heure. C'est un whisky un petit peu frustrant, la première dégustation, un peu fermée, où j'avais que du boisé, un côté un peu vert, côté un peu végétal, presque saumuré, qui m'a un peu déçu. On va voir si ça change. J'ai un nez qui est meilleur, qui est un peu mentholé. Presque, ça c'est le boisé, hein. Qui marque de manière plus intense et tannique ce whisky que le précédent, tous les précédents. À mon avis, c'est que mon avis, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, on va voir en bouche. Ah ouais, c'est plus intéressant, en effet, que la première fois. Il y a un côté extrêmement fondu qui fait que c'est difficile de percevoir toutes les saveurs. Mais je vais changer la note. Je ferai un calcul, je poserai pour faire le calcul, mais c'est beaucoup plus intéressant que la première dégustation. Ben, les whiskies, c'est comme ça, surtout dès qu'ils prennent un peu d'âge, il faut les ouvrir, il faut les laisser s'aérer. L'échantillon était plein, donc il n'y avait pas d'aération. Un whisky peut toujours évoluer, même en bouteille, à cause de l'oxygénation, le nombre de fois que vous ouvrez, etc. Je reviendrai sur ces questions une autre fois. Et les échantillons, c'est un peu pareil. Après, le danger avec les échantillons, c'est quand vous êtes à moitié du volume ou en dessous, c'est beaucoup plus critique qu'une bouteille où vous avez dégusté 2-3 fois, mais il reste encore les 3 quarts. Donc ça peut changer de profil drastiquement et dégrader le whisky beaucoup plus vite. Donc il faut faire très attention. Éventuellement reconditionner en plus petit. Alors je vais tenter une
petite dilution. Voilà, juste 3 gouttes. Pareil, eau minérale ou eau filtrée. Minérale pas trop marquée, un peu neutre ou filtrée, je recommande. Ah, c'est quand même bien mieux qu'à la première dégustation, je suis content. Félicitations au maître de chais d'ailleurs, et à l'assembleur. Voilà, j'ai un peu la même impression que le Brocéliande, mais un peu plus profond. Il ne faut pas rajouter plus d'eau que ça. Ça peut être critique, mais c'est très plaisant. Je dirais des notes boisées variées, des notes de plantes aromatiques. Mais je suis désolé de le dire, malgré 20 ans d'expérience, plus même, je suis incapable d'en dire davantage comme ça. Si j'avais la bouteille, effectivement, je pourrais passer beaucoup plus de temps, ou même peut-être sur la fin de l'échantillon, si je ne le laisse pas trop traîner. Mais c'est difficile, le fondu est extrêmement important, de vous donner des notes plus précises. Voilà, j'en excuse. Mais c'est un très très beau fondu, voilà, de notes assez complexes. Voilà, très 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 joli. Je vous retrouve tout de suite, je fais le calcul pour vous donner la note finale de celui-ci. Voilà, donc me revoilà. donc écoutez, la note finale, je perds mes feuilles. La note finale que je donne au diamant, en fait, est 88 sur 100. Donc c'est une très bonne note. Alors, pour ceux qui se demandent pour le gold, donc le gold à 90 sur 100, donc c'est la catégorie 6 dans la notation sur 8. Excellent, superbe, une valeur sûre, une belle idée de cadeau, bien maîtrisé, de grande qualité complexe, fin, parfumé, pour commencer les choses sérieuses. Et donc le diamant est à 88, parce que voilà, il y a un petit truc qui l'empêche de monter plus haut. Intéressant, de qualité, mérite l'acquisition, voire la collection, un bon whisky aux qualités déjà bien développées, entre satisfaisant et très satisfaisant. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ma manière de noter. Donc maintenant on va passer à quelque chose d'assez différent, je dois dire, qui est une création récente de l'Edu affiné en fût de Bourgogne. Et alors c'est pas très clair si c'est un brut de fût. Si, je crois qu'il y a marqué brut de fût, mais en tout cas il est à 54% d'alcool. Il est annoncé comme étant un 5 ans d'âge en ex-fût de chêne français de Limousin, puis affiné en fût de Bourgogne du Clos Vougeot, à savoir cépage Pinot Noir. Voilà. Donc côté couleur, on est bien sûr dans une robe plus on est toujours un peu dans une robe dorée, presque ambrée, mais on tire vers des reflets saumon, comme souvent pour les finitions de fût de vin rouge ou moscatel ou porto, etc. Enfin, je dis souvent, comme je dis toujours, il y a des nuances à apporter. Et en plus, voilà, la longueur de maturation de seconde d'affinage n'est pas précisée, donc j'ai pas pu avoir l'info, mais pour moi elle n'est pas très importante. Voilà, on va voir si la note change. La première impression était un peu particulière, je dois dire, elle n'était pas très très bonne. Voilà, comme souvent, et donc je disais, je l'ai récemment expérimenté, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça peut être assez traître, les fûts de vin. Il y a le pire et le meilleur possible. Donc je vais la mettre un peu par ici. Voilà. Donc voilà, on a un nez. Alors le nez, il est identique à la dernière fois, malgré l'aération.
Il y a un côté soufré, clairement. Hein. Donc, les allumettes que l'on craque, le grattoir d'allumettes que l'on craque. Donc, c'est soufré. C'est légèrement alcooleux. Et c'est seulement en second plan, en plan qu'on a des fruits confits. On n'est pas loin, curieusement, de l'impression qu'on a avec un fût de sherry, également le roseau, premier remplissage agressif. Du point de vue du côté soufré. Donc, je vais pas donner des exemples écossais, mais il y en a. Donc, le nez le pénalise pour l'instant. Mais on va voir ce que ça donne en bouche. Oups. D'accord. Alors on est proche, c'est assez épicé, c'est vif, c'est un peu tannique. Bon là, les 54% jouent, mais à mon avis pas seulement. Par contre, ce qui me rassure, la deuxième dégustation, c'est que le blé noir et ce côté mielé, céréalé, il revient de manière plus importante et plus équilibrée qu'à la première dégustation où clairement le Bourgogne prenait le pas et il le détruisait, quoi. La première note de dégustation chiffrée était de 78,5, ce qui n'est pas bon, n'est pas très bon, c'est à peine un peu plus que la moyenne. Là, la note va monter parce qu'on a des belles notes abricotées, d'orange, de miel, voire slash hydromel presque. Alors c'est curieux hein, cet attelage contre nature avec le Bourgogne et le ce côté blé noir mielé, mais c'est beaucoup moins vineux qu'à la première dégustation, donc c'est bien, on regagne en équilibre, on regagne en complexité également et en générosité. Donc la note va être meilleure. Je regoute une deuxième fois et je vais rajouter de l'eau. Pourquoi j'en rajoute? C'est pour l'équilibre entre la quantité d'eau et de whisky qui était insuffisante. Pour faire une dilution équilibrée, 3, 4 gouttes, un peu plus que pour le précédent parce que le titrage est plus fort. Donc voilà, bon, c'est encore une vidéo longue, mais voilà, il faut du temps pour faire quelque chose d'un peu sérieux. Même si c'est pas toujours satisfaisant, comme je l'ai dit précédemment. Un jour peut-être je filmerai une session, mais alors l'upload va être terrible. 6 heures peut-être, si mon ordinateur tient le coup. Une séance complète, là vous verrez tout ce que c'est comme travail, le temps pris. Mais on s'en rapproche beaucoup, rassurez-vous. Donc le nez est toujours soufré, c'est un point négatif. Je ne change pas la note du nez, je vais même la baisser. On est à 6 sur 10 et encore, c'est généreux. Mais il y a un côté élégant quand même qui ressort. Le développement est plutôt joli avec quelques gouttes d'eau. Côté vineux revient, mais le côté mielé blé noir aussi en force. Donc je vais augmenter sa note. Voilà, j'ai une note subjective aussi sur 20 que je vais augmenter d'un point. Voilà, je reviens vers vous très vite. Je pause pour faire le calcul et je vous donne mon verdict. Voilà. Merci d'avoir suivi cette dégustation en deux parties et demie, voire trois. Pour récapituler un peu mon verdict, donc pour ce fût de Bourgogne, je lui donne un 82 malgré tout, puisqu'il y a quand même un certain déséquilibre. Mais voilà, c'est quand même un whisky assez bon.
En revanche, le prix annoncé de 89 euros, il s'explique en partie par le titrage. Est-ce que ce whisky vaut 89 euros? Non, de mon point de vue, rapport qualité-prix. Après, si vous êtes amateur d'affinage en fût de Bourgogne spécialement ou en fût de vin, à vous de voir. Voilà. En termes de rapport qualité-prix, si je regarde toutes les dégustations, les Grey Rock sont intéressants. L'Aide Gwen également, même si c'est 59 euros, il arrive à 86 sur 100. Les Grey Rock sont 78 pour le Brocéliande et sur 100 et 84 sur 100, le Porto s'en tire un peu mieux. À 30 euros, c'est un très bon rapport qualité-prix. Le Gold est un peu cher, mais 90 sur 100, c'est quand même. Bon, moi je l'ai eu à 86-90, mais on peut le trouver moins cher à la distillerie. Un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est les du Brocéliande, qui a 89 sur 100 pour 54 euros seulement. Le Silver est plus tangent, mais pas trop mal, à 83,5 sur 100 pour 44 euros. Donc nous avons en tête, côté note, le Gold à 90 sur 100, suivi, je ne me trompe pas, par le Diamant à 88 sur 100. C'est les trois premiers. Et le Brocéliande, j'ai oublié, oui. Suivi par le Brocéliande et ensuite le Diamant. Brocéliande, c'est un très bon rapport qualité-prix à 54 euros pour 89 sur 100. Donc voilà. Donc plutôt une dégustation satisfaisante et très intéressante pour remettre un peu les choses à plat. Et voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. À suivre d'autres maisons de négoce ou distilleries françaises en français et aussi alterner avec des vidéos en anglais. Donc je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé encore une fois cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, like et mettre un commentaire. Pour ce qui est du t-shirt, c'est un hommage à la chaîne The Last Drop. Voilà. Vous aurez remarqué que, à part des petits formats, je n'ai pas de carte de France grand format à mettre derrière moi, ni de t-shirt en français sympa sur le whisky. Si vous voulez faire une donation de carte ou de t-shirt, ma taille c'est 3XL, volontiers. Faites-moi le savoir. Contactez-moi sur gs@gregwhiskyguide.com, l'adresse de du site web. Voilà. Bon, je dis ça juste comme ça. Voilà, je rendrai le. Voilà, je vous rendrai hommage à l'occasion. Merci et à très bientôt.